Bonjour à tous, on se retrouve dans la fraîcheur matinale pour un test grandeur nature à la campagne du parachute des tortues ninja. Voir si il faut le lancer avec une catapulte ou si en le lançant à la main un enfant peut arriver à ce que ça fonctionne. Donc sur ce parachute, on retrouve, alors là j'ai mis Donatello mais c'est pas obligatoirement lui qu'on pose, hein. Des petits élastiques qui vont ramener les ailes qui servent d'armes vers l'avant au moment du lancer. Une petite visière pour la tortue pilote. Les suspentes sont attachées très simplement, avec un nœud qui coince dans une petite encoche. Donc ça c'est très pratique, on peut l'enlever, le laver, le sécher, régler la longueur des suspentes très facilement. La voile est en plastique. Donc là, imprimé d'un côté aux couleurs des Tortues Ninja avec le logo. Normalement, sur cette antenne, il y a un drapeau Tortue Ninja que je n'ai pas. La tortue est fixée simplement par les poignées, d'accord, qu'elle tient. Rien d'autre ne la tient, donc c'est assez simple, mais bien pensé. Bonne taille, elle tient bien. Pour lancer la voile, pour lancer le parachute, donc on fait bien attention que les suspentes ne soient pas emmêlées. On le plie, on le met en boule. Voilà. On le ramène à l'arrière de la tortue. On la coince avec les ailettes. Et puis il va suffire de lancer en l'air assez haut pour que la voile ait le temps de s'ouvrir. Alors là, je dois avouer que ça fait plusieurs tests que je fais, qu'on est vraiment tôt le matin, hein, pour être tranquille, et que du coup, le tout commence à être un peu humide de la rosée du matin. Donc j'espère que ça ne va pas gêner le test, et mettre trop de poids sur la voile et les suspentes. Allez, c'est parti, on va tester. On se prépare au lancer, allons-y. Voilà, la chute est courte, probablement que d'un immeuble, d'un troisième étage, voire plus haut, on a le temps de voir la tortue tomber. Le parachute a juste le temps de s'ouvrir. Je vois mal un enfant de 8 ans, 10 ans, réussir à le lancer assez fort pour qu'il s'ouvre. Mais bon, on a pu voir quand même ce que ça donnait. Donc, on aura l'occasion de tester d'autres jouets, j'imagine. À bientôt. Kawabunga!